Moins d'une semaine après la sortie de la fameuse loi travail inspirée des recommandations du MEDEF, un collectif de youtubeurs lançait le mouvement On vaut mieux que ça pour alerter d'une part sur la dangerosité de cette nouvelle casse du droit du travail, d'autre part pour inviter tout un chacun à témoigner d'histoires personnelles vécues dans un monde du travail où la précarité et les abus sont généralisés. On t'a refusé un boulot pour des raisons injustes. Quand on t'a commencé à bouffer tout le reste. Quand on t'a demandé de bosser gratos ou qu'on t'a sucré ta paye ou ta prime. La fois où t'as cru péter les plombs. Ou celle où tu t'es retrouvé en danger au travail. Raconte-nous ce moment où on s'est mis à te parler comme un gosse. Celui où ton collègue est devenu un concurrent dans ton esprit et que t'as pas aimé ça. Ou pire, que t'as aimé ça. En deux jours, le mouvement prend une telle ampleur que l'ensemble des médias s'intéressent à cette initiative qui n'est pas sans rappeler l'utilisation des réseaux sociaux dans les révoltes tunisiennes et égyptiennes d'il y a déjà 5 ans. Très vite, les témoignages affluent par milliers. Le hashtag « On vaut mieux que ça » fédère déjà derrière lui plusieurs centaines de milliers de gens. La loi travail, dont les modifications insidieuses auraient des conséquences désastreuses pour de nombreux droits dans le monde de l'entreprise, aura donc eu un effet déclencheur d'une révolte qui dépasse de loin ses seules problématiques. Et comme chaque fois, et c'est normal, on va être des centaines de milliers dans la rue. Peut-être même des millions. Grève générale, ad vitam aeternam, vas-y Paris réclame, ta petite Paris c'est le drame, pour la bourgeoisie, car Tricard qui fabriquait sa cam, qui a trimé pour ses produits et sa gamme, sans salariat, aïe aïe aïe, ça va pas, ah bah ça tombe bien, combien vaut-on à ce stade-là, on vaut mieux que leur dire qu'on vaut mieux que ça, ils ont là appris, qu'on se moque de savoir combien on vaut, car on n'a pas de prix, pas de prix, on vaut mieux que ça, on vaut mieux que ça, on vaut mieux que ça. Avec « On vaut mieux que ça », le citoyen lambda, vous, moi, nous, blessés par cette nouvelle violence juridique et patronale, se décide à tout balancer sur ce qui fonctionne mal de manière générale. Le mal-être au travail, le chômage, la précarité, l'intérim, les heures sup, l'absurdité de certains jobs, voire de tous, les abus, tous ces thèmes sont maintenant mis sur le tapis par les citoyens eux-mêmes, histoire de se montrer qu'on est loin d'être seul et qu'on a tout intérêt à en parler ensemble.